le premier événement ever sur le jeu. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je sais que vous attendez la vidéo des astuces dont je vous ai promis, ne vous inquiétez pas, elle sera disponible la semaine prochaine, inchallah. Je fais cette vidéo parce qu'il y a un nouvel événement sur Palia. Le premier événement ever sur le jeu qui va avoir lieu le 29 août, inchallah. Regardez la vidéo pour mieux comprendre. Mais avant ça, si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, à vous abonner, à laisser des commentaires, j'aime toujours vous lire. Et si vous voulez vivre le moment, oups, en live avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Tous les liens sont dans la barre d'infos et en plus, on peut jouer ensemble. Je vous laisse avec cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine, inchallah. Bye! Le Magic Market ou le marché magie est tout simplement un événement très important dans le monde de Palia. C'est un marché nocturne où il y aura différentes activités et quêtes à faire, différents loot et beaucoup d'autres surprises à découvrir ensemble. L'événement va commencer le 29 août, Inch'Allah, et se terminera le 26 septembre. Du coup, on aura un mois de festivités sur Palia, on aura plusieurs quêtes, plusieurs loots, plusieurs activités exclusives, etc. Mais un truc que j'attends, le côté compétitif en moi qui va sortir, j'ai trop hâte, en vrai, et je vais vous en parler dans pas longtemps. La réponse est non. On peut visiter le marché à tout moment, sauf que les festivités seront disponibles uniquement de 18h à 3h du matin, en suivant l'heure de Palia. Comment savoir que l'événement a commencé et surtout comment rejoindre? Une fois l'événement commencé, on aura une invitation par courrier de la part de Esh, la femme du maire, qui nous le dira. Et en plus, on aura une zone de débloquer sur la map, le parc des expositions, où aura lieu le marché magie. Voici ce que les devs ont dit à propos de cet événement. Vous pourrez débloquer une nouvelle mini-zone dans le village de Kilima en explorant de nouvelles quêtes, en gagnant des prix et en collectant tous les cadeaux que chaque marchand a à offrir. Pendant que vous y êtes, assurez-vous de prendre toutes les séances de photos, de chasser quelques chapas et de trouver une ou deux surprises. Entre parenthèses, selon le rythme du tambour, clin d'œil. Quoi un clin d'œil à votre avis? Maintenant, place à la nouvelle activité la plus importante de l'événement dont j'ai trop hâte, qui est The Chapa Chase ou la chasse du Chapa. En gros, c'est des Chapas qui vont s'échapper de leurs eaux et tous les joueurs du serveur devront travailler ensemble pour en ramener le plus possible dans leur cage. En équipe, l'ensemble du serveur recevra des tickets en fonction de la performance individuelle au cours de l'événement. Ils seront ensuite suivis et affichés dans un classement à la fin de la course poursuite. Écoutez, si je ne vois pas mon pseudo sur le tableau, je vais péter un câble, je vous le dis. C'est tout ce qu'on sait sur l'événement pour l'instant, ou du moins c'est tout ce que les devs ont décidé de partager avec nous. J'ai trop hâte de vous croiser sur le jeu. J'ai toujours adoré ça des jeux MMO en général. Le fait d'avoir des événements dans un jeu, au lieu que ça soit que des quêtes, que la même chose tout le temps. Le fait d'avoir dès maintenant un événement comme ça. En vrai, j'ai vraiment trop hâte pour la suite du jeu et trop hâte pour ce qui nous attend après. Parce que là, non seulement c'est devenu une addiction pour moi, et franchement, si vous n'avez pas encore fait le jeu, qu'est-ce que vous attendez? Le jeu est gratuit et on peut jouer ensemble, il y a tellement d'activités à faire ensemble. On m'a dit que je vendais beaucoup le jeu, mais parce que j'adore beaucoup et j'en suis très contente. Donc n'hésitez pas à télécharger le jeu, c'est gratuit, vous avez le lien, mon lien ici dans la description si vous voulez l'utiliser. Vous avez mes vidéos de Palia dans la description aussi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour jouer ensemble, ça va être vraiment incroyable. Et en plus, il faut que je rajoute ça, la communauté sur Palia, c'est une pépite. L'entraide, je l'ai dit 10 millions de fois et je redis encore, l'entraide est tellement là, les gens sont tellement adorables, franchement, vous allez adorer. Si vous aimez le côté Animal Crossing, The Sims, Breath of the Wild, Stardew Valley, franchement, vous allez clairement adorer le jeu. Franchement, je l'ai dit 3 fois, mais venez, venez sur le jeu parce que vous êtes en train de rater une vraie pépite. Si jamais vous ne pouvez pas participer à l'événement, vous êtes en vacances, ou vous travaillez, vous avez des cours, c'est pas grave. Les devs ont promis que cet événement va refaire surface dans le futur, ainsi que d'autres événements qui vont arriver par la suite. Par contre, faut quand même dire que c'est incroyable d'avoir un événement sur un jeu qui est toujours en bêta. Ça, c'est vraiment du jamais vu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu si jamais, à laisser des commentaires, j'aime toujours vous lire. Et on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube et à dimanche sur Twitch. Ciao !